Pas de maths, mais oui. Mais si, j'ai pas fait des maths, j'ai fait de la SVT, mais oui. Oui. Avant de commencer ? Bah oui. Ok. On mange d'ici un quart d'heure ? Oui, oui. Ok, oui. T'en as pour combien de temps pour ce moment ? J'en sais rien, mais moins d'un quart d'heure. Hein. Ok, quand t'as fini, tu viens me voir dans la cuisine ? Ok. Je te lise ou pas la poésie que Madame Gallienne nous a demandé de faire. Ah ok, ouais vas-y vas-y. Vas-y. Oh là là, oh putain, oh Baudelaire il est venu chez moi, il a toqué à ma porte, il a fait frérot, tu me rends ma plume. Je fais comment ça, je fais, là tu m'as dépassé. Alors, donc, il fallait que je fasse un poème donc en prose, donc c'est-à-dire sans rime etc. Sur le thème de la rêvasserie. Donc j'ai fait seul dans cette nuit claire, défiler tout autour des lumières enivrantes. Non, défilant, en butant, les cheveux au vent, de l'auteur rompu, par un sentiment de légèreté, rattrapé par la réalité, vraiment jeté, le goût de la liberté à la bouche, continuant sus. Les bouts de la liberté à la bouche, continuons. Soucieux mais peureux. Non, soucieux mais pas peureux. Merde, oh, j'arrive même pas à me relire, ça merde. Les bouts de la liberté à la bouche. Comment j'avais le truc. Soucieux, non, pas peureux en fait. Soucieux mais pas peureux. Voilà, bon bah là j'ai. Les gars, on annule, pas peureux. Pas peureux. Eh, qui est pas peureux. Monsieur, mais pas peureux, continuons son chemin. Écoutant. Putain, j'arrive même pas à dire. Putain, c'est grave, c'est comme ça que tu vas lui faire. Non. Madame, je sais pas lire. Écoutant le crissement des pneus, si heureux, mais le regard plongé dans le doute, tentant d'y échapper, accélérant, dépassant les lignes. Fuyant cette sensation, mais c'est ma bite, papa. Dans quel but, finalement rattrapé par ce sentiment, ma bite, le revoilà maintenant piégé dans la réalité. C'est ma bite. Alors, tu notes combien, Tom? J'en sais rien, j'ai pas écouté. J'ai pas lu. J'ai pas lu. Non, sincèrement, les trucs en pro, je trouve ça nul. Vu qu'il n'y a pas de rime.
Parce que pour moi, le seul truc qui est rigolo dans les poésies, c'est le fait qu'il y ait des rimes. Ouais. Voilà. Mais t'es pas Madame Gali, t'as pas le droit de me juger. Le mec, il dit quand même, tu peux me dire ce que t'en penses. Et enfin, il dit, pourquoi tu me juges en fait? Non, mais ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de me relire et de voir qu'à un endroit, il y a une phrase qui ne veut rien dire. Ah. Ah, ça c'est bien ça. En général, ça veut jamais rien dire ce que disent des poètes, donc c'est parfait. Ça veut rien dire, c'est bien sûr moi. Ça veut rien dire, nickel. C'est exactement la consigne recherchée dans l'exercice. Ah là, j'avais inversé deux mots, tu m'étonnes que ça voulait rien dire. Donc, le goût de réalité à la bouche, soucieux mais pas peureux, continuant son chemin. Je me tire, je me raccroche pas à la vie. Pas je me saoule peureux. Pas avec le bruit. Les gens qui ne sont pas peureux qui mentent. Ah, attendez, ça peut être un crochet, monsieur. Voilà, je m'en vais. Est-ce que tu veux venir sur Arc-en-Ciel 6 fauteuils? Là, je suis sur DBD et juste après ça, je dois partir manger. Ah, mais c'est nickel ça. Moi, je vais sur DBD, sur R6 afin de continuer après. Le season pass. Après, bien sûr, je reviens. Oui, le battle pass, tu veux dire. Battle pass, battle, battle. Oh loulou, il l'a goumé, parce que là c'est un lance-mort. Mais comme il reste plus qu'un gène, depuis tout à l'heure, il nous tire dessus. Et il a un bon shoot, tu vois. Mais du coup, il nous blesse, et après on est obligé de se susurrer et tout. Mais sinon, ça s'arrête là. Donc la partie, là, elle est plus ou moins infinie. Ah oh, quoi, il m'a vu. Mais quel sale fou. Monsieur, vous êtes un cheater. J'ai envie de commander un putain de McDonald's ce soir. Vous êtes un cheater. Mac quoi? T'as eu combien ton dernier contrôle? 3 sur 5, c'est mort. Mon puce kebab, il y a vraiment un truc qui est à 10 minutes de chez moi. Fast food, halal, sandwich. King Marcel, place de la République. Français burger, fast food. Attends, quand tu as la gueule du burger, là tu manges bien. Chicken Gold. Ah oui, c'est Rick et Chicken Gold. Frais de livraison, 99 centimes. C'est quoi cette arnaque? C'est que dalle, hein. D'habitude c'est beaucoup plus. Oui, bah c'est parce qu'ils sont à 10 minutes de chez moi. McDo c'est 49 centimes. Ah ouais, d'accord. Putain, King Marcel, alors lui il prend 1,49€. Putain, wow. Il est déter. Ah oui, Carrefour Dijon, 3,50€. Ah oui, quand même. Mais il y a deux chicken d'or à Dijon. Je sais rien, peut-être. Il y en a, il est à l'université, il prend 50 centimes. Par contre, ma mère, quand elle est passée dans ma chambre là, juste avant que je revienne ta partie, et je lui ai dit, elle m'a dit on mange dans un cadre. J'ai fait ouais, ouais, t'inquiète, ce sera large et tout. La partie, elle avance vraiment que dalle. Le terme large n'est pas utilisé. Il est où le troisième gêné là, histoire qu'on avance, parce que sinon. C'est comme comment il s'appelle, tu vois, Théo. Ouais. Genre à un moment, il m'avait dit ouais. Genre il m'a dit oui, Cameron. Genre il me dit ouais, ça pèse lourd comme toi, Cameron. J'ai dit ta gueule, on fait le même poids. Il me dit ouais, non, je suis sûr, t'as 2 kilos de plus au moins. J'ai dit ouais, c'est le poids de ma bite. Aïe aïe aïe, tu l'as bien niqué. Et après, t'en as j'étais en mode ouais, je sais, je t'ai baisé, je t'ai baisé. Pas besoin de me le dire. Pas besoin de me dire que je t'ai baisé comme ça. Au moins, ce qui est sûr, c'est que si jamais on finit le dernier gêné, il n'y aura pas Noël. Hein. Oui, faut que je t'aime. Avec la partie qui dure 48 ans, je peux dire qu'on a eu le temps de les péter, les totems. Ah, ouais, il y a deux gênés côte à côte là, mais le troisième il est où? Faut que j'atteigne pas dire combien pour avoir mon 8. Non, ouais, parce qu'on est d'accord, 40, je lâche le peu de base. Ouais, c'est 59. Ouais. Oh, le traité est hyper stylax, hein. Ah oh fuck, he touched my ass. Ah non, time down. Ah y'a ce monstre déjeuner, les gars. Putain, le premier mec qui l'accroche depuis si longtemps, c'est moi, quoi. Ok, ils sont à 3 sur le gêné, parfait. Ah oui, j'ai le gêné. Ah, torchez-le, le gêné, torchez-le. J'aimerais bien voir les défis.
J'aveugle des ennemis. Bon, on va jouer Blitz. Blitz avec un aimbot. Ah, c'est vrai que je suis argent 1. Oh putain. Oh, Tom. Il va se faire booster. Lionel, il rince les R6 et il est des copper 5. Nice. Bah écoute, moi je suis à 2 games du platine du coup. Parce que tout à l'heure on est descendu gold 2 après on a gagné. Avec qui? On était 5, il y avait Bubble, il y avait Noé, il y avait 3. Et il y avait. Il y avait moi? Oui. Et il y avait, mais tout à l'heure, tu disais hier. Oui, bah, j'ai dit hier, oui. Enfin la dernière fois quoi. T'avais dit tout à l'heure, j'étais en Nico ça tout à l'heure. Enfin la dernière game qu'on a win quoi, je crois que c'était un 5-3 sur Chalet. Je ne me trompe pas. Ah. Wow. Les portes ont de l'électricité. Incroyable. Il y a Noël en plus. Mais c'est pas possible, on a fait combien de totems? Déjà rien que là j'en ai vu 3. Beaucoup mais pas tout. Bah, tu vois pas que les alliés ont planté 0 truc quoi. Je sabote quand même ça, comme ça au moins je suis sûr d'avoir réussi mon défi des 10 sabotages. Parce que sincèrement là si j'ai pas réussi. Mais même là non, 4. 4 trucs faits donc Putain. Mais on peut pas mettre des préférences sur où. Ah bah non, c'est vrai que c'est pas assez. Politiquement correct, éthique. Oui, éthique, parce que. Excusez-moi si je n'aime pas et je n'ai pas l'envie de sortir avec une personne type noir ou type hispanique. Les féministes n'auraient pas apprécié. Voilà. Excusez-moi. Je suis. Désolé, féministe 20.0, mais non, je ne veux pas sortir avec une personne qui est noire. Hein. Pour la seule et unique raison que ce n'est pas mon style. Cabron le salé. En plus, c'est une grosse noire, alors là, nique ta mère. Oh, politiquement pas correct. Oh, double là. Peine. Déjà, c'est pas grosse, c'est grossophobe, mais pourquoi? T'es raciste? Ta grand-mère, je suis pas raciste.